Le déplacement de la caillette à gauche. Alors, la pathogénie, quelle est la condition sine qua non pour qu'une caillette se déplace? L'atonie de la caillette. Mais avant, deux théories pouvaient expliquer le déplacement de la caillette à gauche. Le faradiyat oula, ou le faradiyat dima, c'était la théorie mécanique. Donc, pour expliquer le déplacement de la caillette, à chaque fois, on disait que c'était l'utérus exerce des pressions, la pression, on va dire, du déplacement, une pression négative, aspiration. Chez le taurillon, il n'y a pas d'utérus. Et comment expliquer alors le déplacement de la caillette chez le taurillon? C'est une autre théorie, c'est la théorie métabolique. Et actuellement, la théorie métabolique, c'est la théorie la plus logique, la plus sensée, la plus généralisée qui est utilisée pour expliquer le déplacement de la caillette à gauche. La théorie métabolique, je trouve, il y a certaines substances d'origine métabolique, on va les voir, qui vont entraîner une atonie de la caillette, la première condition pour qu'une caillette se déplace. Moi, c'est des substances qu'on va retrouver au niveau sanguin, qui sont d'origine métaboliques, qui sont d'origine microbienne, qui sont d'origine endotoxinique, et ainsi de suite. Toutes ces substances vont entraîner le premier facteur susceptible d'entraîner un déplacement de la caillette à gauche, c'est l'atonie de la caillette. Il y a besoin de la caillette. Une fois que l'atonie s'installe, qu'est-ce qui va s'installer? La distension par des gaz, parce qu'il y a des fermentations. Maintenant, au niveau de la caillette, il y a une petite activité fermentaire. D'accord? Ok, elle n'est pas aussi importante qu'au niveau du rumen, mais elle existe quand même. Où est-ce que le stéthoscope termine? Donc, on commence toujours par la pointe du coude gauche. Où est-ce que tu as la pointe de la hanche gauche? Hedi, toute la région doit être auscultée et percutée et subir une succussion. Stade 1, stade 2, stade 3. Qu'est-ce que vous avez directement là-dedans? Alors qu'il est au stade 1 ou au stade 2. Il ne descend pas. Il non, mais le pile. Donc il n'y a pas de déplacement de la caillette. Non. On commence toujours par la pointe du coude gauche et on termine vers la pointe de la hanche gauche. C'est l'air de projection du déplacement de la caillette à gauche. Là où on va chercher le fameux ping, le fameux ping, le son métallique. Alors, les causes de l'atonie sont diverses. Les endotoxines bactériennes. Le problème par ça, c'est quand le pH 5 dure plus de 2 heures. Parmi les méchèques, il y a une bactérie. Parce que c'est une bactérie qui vient d'être, c'est dans les 5 ans, 10 ans, on a les. Alors, c'est une bactérie, elle aime le 5-5 quand il va durer. Oui, c'est ce que la bactérie. Alizonella histaminoformans. Alizonella histaminoformans. Très bien. Donc, on a expliqué l'endotoxine, on a expliqué l'histamine, la forte concentration sanguine en corps cytonique.